Bienvenue à notre tout nouveau défi. Voici nos participants. Salut, je m'appelle Sharon. Vous êtes prêts à voir mon art? Salut. Moi, c'est Nick. Hein? Bonjour, je suis Ashley. Les concurrents tirent leurs cartes. Quoi? Sans les mains, ça c'est dur. Une seule sera suffisante. J'ai de la chance. Maintenant que vous savez comment vous allez dessiner... Oh, Burke, c'est quoi cette odeur? Oh, c'est vrai, on va dessiner des oignons. Oh! Oh, c'est dégoûtant. Je déteste les oignons. Et... c'est parti! Sharon a un peu de mal. Mais elle veut gagner. On dirait qu'Ashley a étudié le dessin de nature morte à l'école d'art. Elle fait un super boulot. J'ai de l'oignon dans les yeux. Oh. Il faut y penser avant. La sécurité avant tout. Sharon a dessiné un oignon sans les mains. Le dessin d'Ashley est couvert de larmes. Et Nick a dessiné un oignon pourri entouré de mouches. C'est Sharon qui gagne. Moi? Ouais, je l'ai fait. Mon trophée. Aïe, mes yeux. Tirez vos cartes. Qui est chanceux à ce tour? Salut, continuons. Il n'y a rien ici. Ici non plus. Ah, des burgers. Miam, j'adore. Je les veux. Ils sont parfaits. Allez-y, commencez. Vous devez utiliser la nourriture comme matériel. Waouh, j'adore cet exercice. Oh, j'avais oublié le truc avec les mains. Eh bien, je suppose que je vais devoir sortir des sentiers battus. Une tache de ketchup avec des frites dessus ressemble à un burger. J'ai terminé. Dans ce round, Nick préfère manger plutôt que dessiner. Tu te débrouilles super bien. Sharon est une artiste talentueuse, mais c'est difficile de faire de l'art avec une paille et du ketchup. Le temps est écoulé, montrez-nous votre travail. Ce tour est pour Ashley. Mes hamburgers, je vais partager avec vous aussi. 3, 2, 1, c'est parti! Sérieusement? Ah, prends ça! Au moins, j'en ai une. Nous avons un piment avec nous aujourd'hui. Oh, un piment fort! Allez, c'est parti! Mais où est-il passé? Où est mon rouge? Comment je dessine maintenant? Je n'ai pas de rouge. Les participants sont en panique. Comment vont-ils faire? Je vais devoir trouver autre chose. Oh, j'ai du rouge à lèvres rouge. Elles sont déjà parties. Réfléchis, Nick. Non, c'est pas ça. Et voilà.
Il suffit de coller ce piment sur la page pour que ça ait l'air très réaliste. Montrez-nous votre art. Hein? Tu peux utiliser tes mains maintenant, c'est bon, hein? Hein? Et le gagnant est... Nick! Ouais! Hein? Hein? Et tu dois manger le prix. Hein? Non, ce sont les règles. Ah! De nouvelles cartes. Ouais, encore les deux mains. Oh, pas encore. J'en ai une. Votre prochain sujet est le chewing-gum Ooba Booba. Ooba Booba, pas mal. Wow. Et c'est parti. Pendant que Ashley et Nick travaillent, Sharon rêvasse. Oh, c'est vrai, j'ai un truc à faire, mais je n'ai pas le temps. Je peux peut-être utiliser ça. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Le mien a l'air tellement précis. J'ai dessiné ça. Je vais faire une bulle. C'est énorme! Oh, Nick! Oh, comment on va enlever ça maintenant? Recrache-le! Désolé, je ne voulais vraiment pas. Personne n'aura ce Ooba Booba. Prenez vos cartes! Hein? Oh non! Joli! Pas mal! Maman, je ne sais pas quand est-ce que je reviens. Oh, le prochain objet est un iPhone tout neuf. Waouh, ça c'est un super prix. Waouh, je le veux. C'est génial. Allez-y, commencez. Je ferai tout ce que je peux pour gagner. Il faut que je me dépêche. J'ai mes deux mains, donc je peux aller deux fois plus vite. J'ai un plan. Nick, tu es tellement gentil. Est-ce que tu peux m'aider un peu? Bien sûr, tu vas y arriver. Tu es la meilleure. Ashley va tellement vite. Ses marqueurs bougent presque trop vite pour être vus. Ah, est-ce qu'il y a le feu ici? Ashley essaye vraiment de gagner. Oh non, j'ai tout gâché. Terminé. Je n'ai que des cendres. Et voilà. Ça, c'est le mien. Nick, tu as gagné. Est-ce que je rêve? Et moi, alors? Oh, c'est vraiment unique. Un selfie. Et quelqu'un termine sans aucun prix. Les cartes? Ouais, je peux utiliser mes mains. Je suppose qu'il faut que j'en cache une. Oh, pas de main. Sentez-moi cet argent. Waouh, joli bouquet. Mais attendez, il y a une surprise à l'intérieur. Du brocoli? Oh non, non, non. Je déteste les brocolis. Ne faites pas ça. Éloignez-le. C'est parti. Je suppose qu'on va devoir dessiner. Pourquoi tu ne commences pas? Prends un crayon. Mais il n'y en a pas. Je ne vais même pas essayer. Une goutte de peinture s'est magiquement transformée en brocoli. Je ne vais même pas regarder. C'est pas vrai. Comment j'ai fait ça? Hein? Je vais juste froisser le papier. Quoi?
Hé, tout le monde, joli dessin. Vous avez tous gagné. Joli hot dog. C'est l'heure du défi. Oh, trop tard. Une seule main. Oh, pas de chance. Oh, c'est bien, les deux mains. Veuillez accueillir notre petit invité. Dans ce tour, c'est un dessin d'après le vivant. Il est trop mignon. Oh, petit bébé. Adorable. C'est un cas difficile. Ce modèle ne veut pas rester assis. Mais pourquoi il ne veut pas rester assis? Stop! Mais où tu vas? Petit coquin. Mais Nick se soucie plus d'autre chose. Son hot dog. Le temps est écoulé. Voyons voir. J'ai fait ça. Et moi, j'ai fait ça. Super travail d'équipe. L'union fait la force. Ouais. Hé, c'est pas ça qu'il faut manger. Ah oui, ça c'est mieux. Prenez vos cartes. Mes mains sont libres. Je n'en ai qu'une. Oh non, c'est normal. Et maintenant, c'est l'heure du tour bonus. Waouh, c'est tellement inattendu. Fermez les yeux et ne regardez pas. C'est parti! Tu seras la seule à savoir ce que tu vas dessiner. Wow. Nick doit deviner ce que Sharon a dessiné sur son dos et l'imiter. Qu'est-ce que c'est? Oh! Je crois que je sais. Ah oui, je sais. Le temps est écoulé. Alors, qu'est-ce que vous avez dessiné? Le logo de Troom Troom. Une fleur? C'était un Simple Dimple. Qui est chanceux ce tour-là? Oh non! Je peux faire ce que je veux. Une main vaut mieux qu'aucune. Maintenant, vous allez dessiner des tic-tac. Vous n'aimez pas ça? Et maintenant alors? Génial! Wow! Allez-y, commencez! On se dépêche, on n'a pas beaucoup de temps. Sharon est une artiste très attentive. Regardez-la prendre son temps avec les lignes et les couleurs. Est-ce qu'elle va gagner? Le temps est presque écoulé. Je dois finir à temps. Nick devrait manger un tic-tac, pas dessiner. Oh! C'est beaucoup mieux. Oh, c'est ce dont j'avais besoin. Ashley est comme une imprimante humaine. Et Nick utilise juste son nez. Oh non, on ne peut pas gagner. Nick a encore plus besoin de ce prix. On n'a rien du tout. Moi, oui. Attrape. Merci. Félicitations. Prenez-en un tout de suite. De retour pour le défi de dessin.
Ashley n'aime pas sa carte. Mais Nick l'adore. Top là. Est-ce que c'est la droite? Non. La gauche? Non. Et voilà. C'est un pop-it. Wow. Dessinez-le et gagnez. Allez-y. Ashley a trouvé un moyen génial de dessiner un pop-it sans utiliser ses mains. J'ai terminé. Cette tâche est encore plus facile avec une seule main. Alors, ça n'a pas l'air très bien. Peu importe. Hein? Comment ça s'est transformé en Simple Dimple? Nick ne fait aucun effort. Il a une stratégie différente. C'est moi qui vais gagner. Le mien a l'air pas mal. Je suis le meilleur. Je suis confiante. Et le gagnant est... Ashley! Ouais, c'est moi! Non, c'est moi qui aurais dû gagner! C'est trop injuste! Vous avez aimé notre nouvelle vidéo, alors dites-nous ci-dessous ce que vous avez préféré. Et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pour vous abonner, de liker cette vidéo et de cliquer sur la cloche. Ne ratez pas les vidéos fascinantes de Woohoo Wa Motion!